samedi 22 janvier, une grande soirée comme vous pouvez le voir ce soir, les Mad Kids, Italo Boys et Zoo Brazil. C'est la première fois qu'on joue à Igloofest et c'est la première fois qu'on joue devant une grosse foule comme ça, puis une crowd aussi réceptive. Genre, c'est comme, on n'a pas à gager, genre, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. C'est comme, on y va à 100% tout le temps, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Dernière, les Riots ont goûté à ton vin chaud et vraiment ils ont été subjugués. Depuis ce temps-là, ils n'arrêtent pas d'en parler sur Twitter. Oh yeah, hot wine. What the fuck? Dude, you can't say the F word. It was amazing. No. It was amazing. Alors, t'es un des seuls qui connaît la vraie recette du vin chaud de l'Igloo Fest. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. On détient ça. Ça fait quoi, 3 ans qu'on l'a fait? Et puis, c'est tout simple, hein, en fait. C'est du vin, bien sûr. C'est de la cassonade, c'est des clous de girofle, des bâtons de cannelle. De la noix de muscade qu'on saupoudre par-dessus, des agrumes, zeste de citron et d'orange. Et puis, ça ressemble à ça. On fait porter à ébullition, puis c'est chaud, c'est bon, puis c'est... Dès que c'est à ébullition, c'est prêt à consommer? C'est prêt à consommer. Alors là, on transvite dans des barils, on emmène ça aux convives, exactement, et voilà. Exactement, et on fait une grosse production parce que ça part beaucoup. You can follow us, we'll bring you backstage. So you had a great time up there? Yeah, it was actually I heard rumors about this festival and it was exactly as the rumors was. So it was, I'm really excited. It was a really good night. So I tried a lot of new stuff from a new album and a lot of new remixes and new releases. So it's always great to try them for the first time and the audience was amazing, so had a good time. And did you know Italo Boy? Yeah, sure. We have been releasing on the same labels and stuff, so we have some kind of connection together, so label mates. Hi, I'm Federico from Italo Boys, and we are in Montreal. I never met Zoo Brazil, actually. I used to buy a record from him since when I was a kid. Oh ho! He stayed all the night. He would say, "This is good stuff. This is good stuff." So yeah, I go to Astro Patrico. It was really good, actually. I really liked it. The people was really cool. Did you start in Italy and now you are in London? No, let's say that we start in London. Me and Marco. Marco is my partner. We usually play this kind of festival together. But for some coincidence, it was already in another place. So, in holiday. So, I play by myself tonight. But usually we play this kind of gig together. And I miss him tonight because I'm sure he was like, I'm sure he's going to regret to he was not here. People are still having sex.